130 communes dans les Bouches-du-Rhône participent à Marseille Provence 2013. Mais aussi, il y a deux invités, Ajaccio et Nîmes. Pour cette dernière, son histoire et ses monuments ont permis de labelliser quatre événements et donc d'être dans la liste des 400 programmes proposés. Je souhaitais, bien entendu, que Nîmes soit associé à ce que nous faisons. Et par conséquent, nous avons décidé, le conseil d'administration de Marseille, Provence, capitale de la culture, pas uniquement le maire, a décidé que deux villes seraient associées, Ajaccio d'une part, mais Nîmes aussi, compte tenu de tous les éléments culturels importants que la ville développe. Trois expositions seront proposées, l'une au Carré d'Art, avec la particularité du commissaire, qui sera pas moins que Norman Foster. Pour les deux autres, l'une sera à la chapelle des Jésuites et l'autre à la galerie du musée archéologique. Mais l'un des moments forts de cette participation à Marseille-Provence 2013 sera la féerie des eaux. Une édition un tout petit peu plus ambitieuse, mais du phénomène déjà très grand public dès la féerie des eaux qui a lieu autour du 15 août et qui cette année sera largement ouvert à la danse. On a souhaité faire un plus avec l'école de Béjart qui est située à Lausanne, donc une quarantaine de danseurs sur scène pratiquement. On a souhaité effectivement le faire aussi dans les arènes. Pourquoi ? Parce que le spectacle dure pratiquement une heure et laisser une heure debout les gens dans les jardins de la fontaine avec peu de visibilité, c'était assez inconfortable. Donc on est en train de travailler sur une scène avec bien sûr une féerie des eaux et de feu aussi. Néanmoins, dans la journée, il y aura aussi un spectacle dans les jardins de la fontaine. Tous ces événements auront lieu entre le 15 mars et le 27 octobre.